No podcast a seguir, o professor Dr. Fábio Ferreira, da Universidade Federal Fluminense, e o convidado, o professor Dr. François Dossi, do Instituto de Estudos Políticos de Paris, conversam sobre a saga dos intelectuais franceses, o gênero biográfico e ainda tratam de um dos clássicos da historiografia, o livro História e Migalhas. Por fim, lembramos que o YouTube fornece legenda e tradução automáticas. Em primeiro lugar, por que você escolheu estudar história? Ça remonte déjà à très loin, hein, mon choix de l'histoire. On est en 2020, j'ai dû choisir l'histoire en 1969-70. Donc, mon premier choix avait été la sociologie dans une université expérimentale qui était le centre expérimental de Vincennes, qui était une université tout à fait particulière, qui s'est créée dans l'immédiat après mai 68. Et je pense que mon choix de l'histoire est très lié à cet événement qui a été mai 68, que Michel de Certeau a appelé une rupture instauratrice. Et c'est sûr que ma génération et moi avec d'autres, on a été très très marqués par cet événement. J'avais 17 ans, j'étais donc très jeune, et sortant du baccalauréat et du lycée, je suis rentré dans cette université très expérimentale, très pluridisciplinaire, parce qu'en fait, j'avais commencé à m'inscrire en sociologie, mais je suivais aussi quelques cours d'économie politique, des cours de philosophie, des cours d'histoire, etc., avant de choisir seulement la deuxième année universitaire, une discipline qui est l'histoire et donc sa sous-dominante qui est la géographie. Oui, au début, c'est sûr que, comme je vous ai dit, j'ai été très marqué par l'histoire collective, puisque c'est 68 qui a joué un rôle tout à fait important. Ça a joué un rôle d'ailleurs doublement important pour moi parce que il y a eu l'explosion, disons, de la jeunesse scolarisée en mai 68. Après, il s'est trouvé que j'ai été en août 68, j'étais à Prague et donc j'ai vécu à Prague l'invasion soviétique. Et je me suis retrouvé le 21 août 1968 dans une ville et dans un pays occupé par les troupes soviétiques et dans une ville qui a résisté unanimement contre cette occupation. Donc disons que l'histoire là m'interpellait parce que là je l'ai vécu. Il y a une espèce de vie et de vibration historique dans le temps présent que j'ai traversé très jeune et qui, avec évidemment des espérances, des rejets, des prises de position radicales qui étaient dans cette période. Et je pense qu'il y avait à l'époque l'idée de l'horizon révolutionnaire, pas du tout stalinien, hein, pas du tout sur le modèle soviétique, hein, mais d'une société émancipée et que la manière de l'idée d'un engagement dans l'histoire était aussi liée à l'idée d'un cursus historique de mieux connaître son histoire pour la transformer, donc pour transformer la société. Et comment surgiu estudar os intelectuais franceses? Oui, enfin, d'abord, avant d'étudier les intellectuels, j'ai étudié l'école historique française. Voilà. Ce qui a donné lieu à un livre que vous connaissez sans doute, qui est traduit au Brésil plusieurs fois, qui est La Historia en Migalhas, l'histoire en miettes. Et donc, effectivement, ce qui m'intéressait là, c'était comment le discours historique évolue dans le temps. Et comment, quel discours historique est tenu par les historiens qui dominaient à l'époque,
les historiens qui dominaient à l'époque, dans les années, j'ai commencé à m'intéresser, à travailler, à faire une recherche historiographique après les concours, après mon cursus universitaire. Donc, ça a commencé, oui, j'ai eu l'agrégation en 1973. Donc, ça a commencé à la fin des années 70, où j'ai commencé à me lancer dans une recherche universitaire sur l'historiographie et donc à montrer, disons, la fécondité de cette école historique française, son rayonnement international, des orientations très novatrices dans l'abord par rapport à de l'histoire, par rapport à la tradition, et en même temps avec un regard critique. Et je dirais qu'à l'époque, donc à l'époque, c'est-à-dire dans la fin des années 70, début des années 80, j'étais encore sur des positions critiques qui sont plus les miennes aujourd'hui. Hein. Là, j'ai évolué, mais qui étaient des positions marxistes à l'époque. Donc, j'étais en effet critique par rapport à la déconstruction de la totalité de l'histoire. Je défendais l'histoire globale, totale, contre l'émiettement, d'où le titre « L'histoire en miettes », qui était critique, qui était une manière de stigmatiser, de critiquer l'émiettement. C'est plus du tout ma position aujourd'hui, mais là où ça reste quand même, je reste fidèle à un certain nombre de choses qui se sont avérées justes dans ma critique, puisque le livre « L'histoire en miettes » est paru en 1987 et les annales, la revue des annales et l'école historique française a pris en 88, donc un an après mon livre, un tournant, ce qu'ils ont appelé un tournant critique, et qui ont tenu compte de beaucoup des éléments critiques que j'avais formulés dans l'histoire en miettes. Par exemple, le fait d'être plus attentif au changement, plus attentif aux ruptures, aux discontinuités, le fait de recentrer le discours historique sur l'homme, sur le sujet, et pas seulement sur les structures qui le contraignent. Bon, là, il y a eu un certain nombre de réinflexion, par exemple le fait de prendre des acteurs au sérieux, hein, comme l'a dit Bernard Le Petit. Donc il y a eu une réinflexion de l'école historique française et là j'étais content de voir que, voilà, c'est pas le seul fait de mon livre, mais j'avais un an avant émis des souhaits, des critiques qui sont avérées fondées, puisque il y a eu cette réorientation qui s'avère féconde quand on voit la production historiographique actuelle. Alors après, petit à petit, j'ai été amené à effectivement à dériver sur le champ des intellectuels parce que une fois avoir écrit l'histoire en miettes, je me suis rendu compte que l'évolution de l'école des annales ne pouvait pas être comprise si on la mettait pas en relation avec un climat intellectuel plus large et, disons, plus globalement avec l'évolution des sciences humaines et sociales, et pas seulement de la discipline historique, et que pour bien comprendre l'évolution des historiens, de Marc Bloch, Lucien Febvre à Brodel, de Brodel à Leroy Ladurie, Furet, etc., il fallait bien comprendre les paradigmes dominants de la scène intellectuelle française depuis les années 30, depuis les 45, depuis l'après-deuxième guerre mondiale. Et c'est là où je me suis rendu compte que il fallait que je fasse un détour par le structuralisme, parce que effectivement le structuralisme avait influencé beaucoup les orientations, et notamment l'orientation des historiens vers l'attention aux phénomènes de très longue durée, ce que Brodel appelait la longue durée, et puis où l'histoire immobile, comme l'appelait, ou presque immobile, ou immobile, comme l'appelait Emmanuel Leroy Ladurie. Donc, d'où cette enquête, qui là aussi a été traduite au Brésil, et sortie chez plusieurs éditeurs,
sur l'histoire, en deux volumes de l'histoire du structuralisme, où j'ai vu que on pouvait mieux comprendre le discours historien si on le remettait justement en liaison avec Claude Lévi-Strauss, avec l'anthropologie structurale et son évolution, et les défis que ça représentait aux historiens, etc., etc. Et à partir de là, il y a un enchaînement logique de mes travaux, c'est-à-dire que en faisant l'histoire du structuralisme, qui est paru donc en France en 1991 et 92, j'ai rencontré les textes d'un philosophe que je ne connaissais pas, mais avec lequel je me suis trouvé totalement en phase dans ce qu'il écrivait sur le structuralisme, c'est-à-dire cette position médiane qui consiste à, par rapport au structuralisme, à dire qu'il y a à la fois une énorme fécondité de ce paradigme et des apories, des impasses, et qu'il fallait avoir une position critique. Et ce philosophe, c'est Ricoeur, et j'ai lu ses textes sur signe et sens, ses textes sur structuralisme et herméneutique, voilà. Et là, je me suis dit, voilà, il dit sur le plan philosophique ce que j'ai envie d'exprimer, ce que j'ai exprimé de manière historienne en faisant toute cette histoire du paradigme structuraliste. Et donc, du coup, je me suis dit, voilà, et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, je veux plonger dans son œuvre pour mieux le comprendre, voir un peu d'où viennent ces positions dans lesquelles je me reconnais et d'où je me suis plongé dans cette biographie de Ricoeur. Mm-hmm. Bon, il se trouve que c'était pas prévu par rapport à mes premiers travaux, mais j'ai, comme je l'ai dit plaisamment, j'ai pris un peu le virus, non pas de la COVID-19, mais le virus biographique, et j'ai écrit un certain nombre de biographies de Michel de Certeau, de Deleuze et Guattari, de Castoriadis. Là, je viens de publier une biographie de Pierre Vidal-Naquet. Voilà, donc, parce que la biographie est un genre, et là aussi, qui était un genre proscrit, un genre infâme, un genre discrédité, mais qui effectivement est devenu un genre un peu avant-gardiste, d'expérimentation, comme je l'ai expliqué là aussi dans un livre qui là aussi a été publié au Brésil. Falando nos seus livros, em especial os que foram editados aqui no Brasil, o primeiro que eu comprei quando eu entrei na universidade foi o História e Migalhas, que estávamos tratando agora há pouco. História e Migalhas. Oui, oui, parce que moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup votre pays et le Brésil, et que effectivement, je suis absolument ravi que mes travaux y soient très présents. C'est que vous avez un temps d'avance sur nous en France. C'est que j'ai vu qu'il y avait une insertion dans l'université brésilienne. Je pense par exemple à vos réunions de l'ANPU régulières, des historiens régulièrement, etc. Il y a une présence très forte de la théorie de l'histoire, de la réflexivité de l'histoire, beaucoup plus forte qu'en France. Parce qu'en France, on est traditionnellement dans une relation qui est une relation histoire-géographie, parce que les professeurs qui sont formés dans les cursus universitaires deviennent des professeurs d'histoire-géo, et à 50-50%, alors que vous êtes plus d'emblée sur les questions de réflexivité en histoire. Alors ça commence à venir en France, hein. Je crois que maintenant il y a effectivement une prise en compte de l'historiographie, de la réflexion, des notions, des concepts
en histoire et des réflexions épistémologiques, mais c'est assez nouveau. Hein, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Et c'est là où, effectivement, j'étais content de voir que ça n'existait pas en France, mais ça existait au Brésil. É, ainda há pouco nós estávamos falando do gênero biográfico. Assim, eu te pergunto, quais os principais desafios para realizar uma biografia? Oui, alors, bah, ce que j'explique dès le début du livre, c'est que la posture du biographe est forcément une posture modeste, parce que, effectivement, ce que j'appelle le pari biographique, ce que vous dites sur le défi biographique, est impossible à relever, en fait. Donc, c'est une mission impossible. Il n'y aura pas de biographie totale, dans la mesure où si on prend une figure qu'on veut biographer en se disant, bon, voilà, je vais l'expliquer, je vais totalement la rendre transparente. C'est un défi impossible dans la mesure où on n'a jamais assez de sources pour les rendre transparentes. Mais même si on avait toutes les sources possibles et imaginables, on ne pourrait pas. On le sait bien puisque les enseignements de la psychanalyse montrent qu'il y a des zones d'opacité et évidemment que les gens qui cherchent à se connaître de manière psychanalytique mettent 14, 15 ans sans pouvoir venir à bout des secrets, mais simplement en composant avec eux, hein, avec la cure analytique. Donc, ce n'est pas un biographe qui est de l'extérieur, qui va pouvoir évidemment éclairer tous ces secrets, et a fortiori, en plus, quand c'est des biographies d'époques différentes, dans des catégories, des mentalités différentes, dans des pays différents. Donc, il y a là un obstacle qui est insurmontable. Cela dit, il s'écrit quand même des biographies, et évidemment, on avance quand même dans la connaissance de l'autre. On y avance, il faut y avancer avec beaucoup de modestie, et on y avance dans ce que j'appellerais la relation biographique, c'est-à-dire dans le rapport entre le biographe et le biographié, même s'il est absent, hein, même si évidemment il est absent, mort depuis longtemps. Là, il y a des biographies de tout type. Hein. Moi-même, j'en ai écrit. J'ai écrit une biographie de Pierre Nora. Il est toujours de ce monde. Et puis, on était en relation l'un l'autre. Vidal Naquet, quand j'ai entrepris sa biographie, il était mort. Bon, voilà, ça peut être des contemporains, mais plus distants, etc. Mais il y a une relation qui s'institue, vivant ou mort, posthume ou autre. Et c'est ce qui fait d'ailleurs le charme de la biographie, c'est-à-dire que ça nécessite de la part du biographe, de celui qui va se lancer dans une biographie, un investissement pas seulement conceptuel, mais un investissement affectif, émotionnel, hein, de son pathos énorme, énorme. C'est-à-dire qu'on vit avec la personne pendant 2 ans, 3 ans, parce qu'une biographie, ça ne se fait pas en 6 mois. On se plonge dans les archives, dans la correspondance, dans l'enquête orale, dans l'enquête écrite, et voilà, se noue une relation qui transforme, y compris le biographe, qui est transformé par son objet de recherche. Bon, et donc il y a un processus là qui est nécessaire pour réaliser une bonne biographie, c'est-à-dire pour, je dirais, non pas arriver au secret de l'autre et à lever toutes les zones d'opacité, mais au moins à trouver, je dirais, des connexions signifiantes, des hypothèses roboratives, heuristiques, hein, en posant la question sur tel ou tel point, en émettant des hypothèses, etc. Dans chacune des biographies, il y a des fils directeurs, il y a une musicalité dominante, une tonalité différente, comme on pourrait dire, d'un morceau de musique. Sur ce plan, oui, c'est un exercice extrêmement exigeant, contrairement à la mauvaise réputation qu'avait ce genre, et qui aujourd'hui, voilà,
totalement admis sur le plan universitaire, académique, et admis aussi ce que je montre dans ce livre sur le genre biographique. Il y a plusieurs types de biographies, c'est-à-dire que il n'y a pas un modèle qui s'imposerait à tous les biographes. Il y a évidemment, alors d'abord j'ai différencié des modèles de biographie héroïque, des biographies modales, des biographies à l'âge herméneutique, mais même dans ces modèles-là, il y a évidemment totale diversité, multiplicité de possibilités d'entrée. Il y a des biographies qui embrassent l'ensemble de la vie, des biographies qui prennent simplement une image ou une journée. Enfin bon, il y a des échelles temporelles, des échelles spatiales extrêmement différentes, avec un acquis en tout cas qui est la prise en compte aujourd'hui de la part à la fois plurielle, c'est-à-dire l'idée que le sujet biographé, comme le biographe d'ailleurs, n'est pas unique, mais est d'une pièce, mais qu'il a une pluralité, hein, il recouvre une pluralité de facettes, et que par ailleurs, il faut prendre en compte aussi, au-delà du personnage biographé, les représentations de celui-ci à différents moments chez les autres. C'est-à-dire que la part symbolique, les représentations, l'imaginaire, les mutations de la figure biographée rentrent en ligne de compte dans le travail biographique et dans la recherche biographique. Recentemente foi lançado na França o seu livro A Saga dos Intelectuais Franceses. Conte um pouco para a gente sobre essa saga, a saga desses indivíduos, bem como sobre o próprio livro, sobre a publicação. Alors là aussi, je suis assez content parce que je me rappelle plus quel est l'éditeur. Je sais pas s'il est par Rio d'ailleurs. Enfin, il est en cours de traduction au Brésil. Donc, les deux volumes paraîtront au Brésil. Si vous le souhaitez, je pourrais vous donner le nom de l'éditeur. Là, je ne l'ai plus en tête, mais je peux le retrouver dans mes archives. Puisque le livre va paraître en espagnol, en portugais chez les Brésiliens, en Chine. Et en Russie pour l'instant. Alors oui, mon projet de la saga a été un projet de, comme vous le savez, donc j'ai beaucoup étudié cette période qui est la période 1945, fin du 20e siècle. Bon. Et donc j'ai parcouru cette période à plusieurs reprises, avec le structuralisme et la décomposition du structuralisme, avec l'école des annales, avec mes biographies que sont Ricoeur, Certeau, Nora, Deleuze, Guattari, Vidal-Naquet, Castoriadis, etc. Et donc, j'ai vu ce demi-siècle par différents angles à chaque fois, bon, qui sont des courants très différents, socialisme ou barbarie, pour ce qui est de Claude Lefort et Castoriadis, le courant des chrétiens progressistes avec Ricoeur, des catholiques très militants comme Michel de Certeau, jésuites. J'ai éprouvé le besoin de remembrer un peu tout ça, d'avoir une vision un petit peu plus large que ces fils directeurs, utilisant évidemment ce que j'avais déjà fait et les visions que me donnaient tous ces itinéraires et ces parcours, mais avec l'idée aussi, parce que j'ai écrit un livre sur qu'est-ce que l'histoire intellectuelle, et un livre un peu méthodologique qui s'appelle « La marche des idées », histoire des intellectuels et histoire intellectuelle, et là je me suis dit, mais c'est bien de faire un livre sur la méthodologie de comment faire l'histoire des intellectuels, que j'ai un peu thématisé dans ce livre, La marche des idées, mais il faut que je montre à quoi ça peut ressembler. C'est-à-dire qu'il faut que moi-même, je pratique ce que j'ai
défendue sur le plan théorique, c'est-à-dire que la défense que j'avais faite dans la marche des idées, c'était de dire que il fallait dépasser l'alternative entre une démarche externaliste ou une démarche internaliste. C'est-à-dire que il y a effectivement une histoire des intellectuels purement sociologiques qui a sa légitimité de référer les intellectuels à des lieux institutionnels. Et puis, il y a la démarche de l'histoire intellectuelle internaliste, qui est l'histoire de la philo, l'histoire des idées. Bon. Or, il me semblait qu'il y avait un apport possible des historiens qui était justement dans l'entre-deux, qui était à la fois prenant en compte à la fois la sociographie des intellectuels, donc la démarche externaliste, et aussi les idées et ce qu'elles représentaient en tant que telles, et les individus qui les portaient. Et donc, il fallait tenir les deux bouts de la chaîne, et que les historiens étaient bien placés pour non pas se substituer aux philosophes, les philosophes ont évidemment totale légitimité à faire de l'histoire intellectuelle, ou les sociologues, mais qu'on avait en tant qu'historien, notre partition à jouer. Et donc, je me suis dit, voilà, eh bien, je vais me lancer sur 1945-1989, voir sur un exemple concret, la France, qu'est-ce que donne l'évolution des intellectuels, et voilà, les courants, etc. Et puis, j'avais vu aussi, évidemment, avant, des revues. Le vecteur de cette saga, c'est évidemment des intellectuels, des philosophes, des penseurs. C'est aussi beaucoup des revues comme cadre de sociabilité de la vie intellectuelle. Or, et comme vous le savez, avec les Annales, c'était la revue des Annales. Castoriadis, c'est la revue Socialisme ou Barbarie. Avec Nora, c'est la revue Le Débat. Avec, je sais pas, Ricoeur, c'est la revue Esprit. Avec Certeau, c'est la revue Études. Donc, vous avez là toute une série de revues qui sont des vecteurs essentiels de l'animation de la vie intellectuelle. Et là, j'ai pu effectivement aussi, qui est l'autre axe de mon histoire des intellectuels, entre ces deux dates, 1945 et 1989, c'est aussi le basculement, et là j'emploie un concept que vous connaissez sans doute, que j'emprunte à François Hartog, qui est le basculement de régime d'historicité, c'est-à-dire voir comment, dans la France contemporaine, de 45 à 89, il y a eu un basculement de régime d'historicité, un petit peu comme Koselleck l'avait analysé à la fin du XVIIIe siècle, où il avait vu en Europe occidentale un basculement de régime d'historicité qui n'était plus la tradition, la répétition de la tradition, mais un futur différent du passé. Eh bien, ce que j'ai là testé, c'est au contraire le succès, enfin le succès, l'évolution vers ce que là encore Hartog appelle le présentisme, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a plus de futur, le fait qu'il n'y a plus de projet, le fait qu'il n'y a plus de devenir. Et donc, dans cette saga des intellectuels, je pointe un certain nombre de scansions, de moments forts, des illusions perdues, des échecs de la transformation de notre société alternative. Bon, alors, effectivement, c'est 1956, hein, Budapest, c'est 68 au sens, alors non, là, il y a un regain de, mais c'est aussi le printemps de Prague, c'est l'archipel du Goulag en 1974 et la découverte de, et puis c'est l'effondrement historique en 1989 avec la chute du mur de Berlin et l'effondrement du monde communiste. Donc c'est l'effondrement d'un monde et c'est l'effondrement aussi de l'espoir d'un autre monde, et y a là un repli sur, et qui est commun d'ailleurs au Brésil, à l'Europe occidentale, c'est mondial, un repli et donc une situation de crise d'historicité dans le même temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pense l'histoire comme une dialectique entre le passé, le présent et l'avenir, et qu'il n'y a plus d'avenir, nous vivons effectivement
une crise d'historicité qui se caractérise par le présentisme et qui se caractérise aussi, dans le même temps, par une bouffée mémorielle, ce que, même si la mémoire a été un apport historiographique absolument fondamental, mais c'est Nora lui-même qui parle de tyrannie de la mémoire, qui est notre époque, et cette situation que j'appelle la commémorite aiguë d'un néologisme, qui est une espèce de maladie d'absence de projet et de repli sur soi, de repli collectif sur notre passé, et qui caractérise notre monde et qui caractérise donc cette, oui, cette évolution. Et donc, je l'ai perçu là avec évidemment des gens qui, normalement, conceptualisent le mieux la situation dans laquelle ils sont et qui sont justement les intellectuels et qui sont les métabolisent eux-mêmes, qui expriment cette crise d'historicité qu'ils vivent. E para terminarmos a nossa conversa, quais são as suas considerações finais? C'est l'importance de l'histoire du temps présent, et ce que j'espère pour vous, c'est que vous sortiez le plus vite possible de la dictature que vous subissez et que non seulement subissent les Brésiliens en premier lieu, mais je veux dire qu'aujourd'hui, le pouvoir brésilien est en train d'être un danger pour la planète. Voilà. Et donc, il est temps que vous mettiez bon ordre dans votre société et au plan politique. Et donc, que vous preniez votre histoire en main. Dossi, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo e por essa conversa aqui conosco. Obrigado. Merci à vous. Merci. Um abraço. Tchau, tchau. Agradecemos a todos por terem acompanhado nosso podcast. Se inscreva no nosso canal e acione o sininho de notificação para você ser informado sobre os nossos novos podcasts e vídeos. Por fim, acesse o nosso site e confira entrevistas, artigos acadêmicos e muito mais. Revistatemalivre.com, desde 2002, fazendo história.